voilà parti pour notre dernière double prix du Hippodrome de Pau avec deux meilleurs départs à mettre à la TIF d'Arthur Ferland avec Broadlog Accord. On est bien parti également avec Violette Alala en scène sur Oriental Prudence. Je vous ai piqué en vue. Et on s'est rapproché avec Charles Pagnon en piste. Il aborde le tournoi avec en tête Violette Alain qui se retrouve dans le avec Charles Payou qui est tout près, nouvelle difficulté en vue. Bien franchi par les deux premiers, donc c'est plus compliqué pour Arthur Ferland. Par contre, ils vont faire gaffe, vous allez prendre après, je vais en bas. J'espère d'avoir entendu un peu plus ma place, c'est facile pour Violette Alain, on se en même temps, alors que justement, elle est en tête, c'est toujours Thibaut Sporgui qui se recommande de l'épreuve avec Isha Bacher, mais on est tout proche. Proche avec Charles Tailleux, Philippe Dumaine, qui vient d'ailleurs de relayer l'animateur à cet instant et qui prennent les commandes de l'épreuve à l'entame du dernier tournant. Nouvelle difficulté franchie, alors que pour Arthur Ferland, ce sera plus compliqué désormais. Il semble devoir se cantonner à la troisième place avec Broadlog Accord. Il sort du tournant et c'est donc désormais Charles Tailleux qui a les choses bien. Avec le numéro 4, Dimitri Dumaine qui va tenter de filer en poteau encore deux visites de corps. Et Thibaut Sporgui qui va tenter de refaire son retard avec le numéro 3, Isha Bachelet. Vient ensuite plus loin Arthur Ferland, la phase finale de cette épreuve avec Charles Playeux qui repart de plus belle entre les deux dernières difficultés avec le numéro 4, Dimitri Dumaine qui s'offre à la tenter de l'emporter derrière la difficulté en plus.